La Comédie du Livre, pour nous libraires, c'est vraiment un temps fort de l'année parce que c'est le moment où on sort de nos murs, on rencontre nos clients différemment, puis on est en contact direct avec des auteurs qu'on lit toute l'année, qu'on adore, et du coup c'est émotionnellement et humainement très fort. Ça permet de rencontrer les auteurs et aussi de se balader, d'avoir de nouvelles idées de livres à lire, de pouvoir échanger avec les auteurs. Ça rend le livre encore plus vivant et c'est super important. La Comédie du Livre, c'est un des grands rendez-vous d'éditeurs en Occitanie, parce que c'est le moment où on peut retrouver un public en tant qu'éditeur indépendant qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer. Et donc, c'est pour nous l'occasion de montrer l'ensemble de notre catalogue. Les Mystères de Montpellier, c'est un projet d'écriture tout au long de l'année scolaire. On a des conseillers pédagogiques qui accompagnent les classes dans le travail d'écriture, le travail de lecture de leurs nouvelles. Et ensuite, les élèves viennent le présenter pour la Comédie du Livre. C'est Giulietta qui attend Ilaria quand elle frappe timidement à la porte. Elles se connaissent comme elles se croisent toutes dans l'institution. Et c'est l'impression qu'il donne, avec les coudes collés au corps et les avant-bras qui surgissent de ses manches trop courtes. Je pourrais avoir envie d'écrire des choses pour qu'elles soient entendues.